Croix du jour, la croix du jour, bonjour chers abonnés, j'espère que vous portez très bien. Alors prions Dieu de nous rendre la joie de son salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne et que le Seigneur ouvre nos intelligences et qu'il nous donne son esprit saint, qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé et qu'il nous annonce l'allégresse et la joie, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Chers abonnés, je vous invite à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Nous avons la croix du jour qui est disponible tous les jours à 17h30 heure GMT. D'accord? Nous avons aussi des plans loto toutes les semaines que nous publions disponibles dans notre playlist plans loto que je vous invite à regarder. Oh non, un petit lion! Ça, c'est pas un lion. Ben vas-y, va voir et dis-moi ce que c'est. C'est pas un lion, c'est un oiseau poilu. On dirait un lion! Moi, je te dis que non. Laisse-moi regarder de plus près, pardon. Bon alors, qu'est-ce que c'est que cet animal? C'est un lion! Sauve-toi, sauve-toi, bébé lion! Il est tout petit! Ça grandit, ces bêtes-là! On peut le garder, s'il te plaît. Allez, je te promets de le promener tous les jours. Je nettoierai tout derrière lui. C'est lui qui va te nettoyer, il va te manger et se servir de moi comme cure-dent. Oui, mais plus tard, quand il sera grand et fort, il sera de notre côté. J'ai une idée. Et s'il était de notre côté? Qu'est-ce que t'en penses? Avoir un lion féroce dans son camp, ça n'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est vrai, alors c'est bon, on peut le garder? Bien sûr qu'on peut le garder, puisque je te le dis. C'est qui le cerveau ici? C'est moi ou c'est moi? Oh, t'as bien entendu? On t'a sauvé la vie. Je m'en fiche. Wow, qu'est-ce qu'il est mal poli. Je m'en fiche, il a dit. Se coltiner un lion grincheux et mal élevé, comme si j'avais pas assez de problèmes comme ça. Mais on peut l'aider, toi et moi, on sait le faire, ça. Oh. Bon, tu peux nous dire en deux mots ce qui t'amène par ici? Je fais quelque chose d'horrible. Et j'ai pas envie d'en parler. Ah, écoute, petit, on fait tous des erreurs, mais en général, ça peut s'arranger, tout ça, non? Non, il faudrait pouvoir changer le passé. Ah, alors là, tu en demandes un petit peu trop. C'est un peu difficile. C'est pas de la mauvaise volonté, mais le passé, c'est trop demandé. Comment veux-tu le changer? Ouais, et mais on peut plus rien changer. Tu sais ce qu'on peut changer? L'avenir. C'est notre spécialité. C'est notre truc. Comment peut-on changer une chose qui n'est pas encore arrivée? Eh bien, pour changer le futur, il faut laisser le passé derrière soi. Loin derrière. Écoute, petit, quand un malheur arrive, on ne peut rien y faire, vrai ou faux? Vrai. Faux! Quand le monde entier te rejette, tu te dois de rejeter le monde. Et de te concentrer sur ce que la vie peut t'offrir. Transforme-le, ça alors, en et alors? Mais c'est pas ce qu'on m'a appris. C'est que tu n'as pas eu un bon professeur. Répète après moi, petit. Hakuna Matata. Quoi? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna... Oh, c'est tout l'effet que ça te fait. D'habitude, c'est la folie, c'est l'hystérie. Et on recommence. Hakuna Matata, tes mains, c'est dingue. Ça signifie oublie tous tes soucis. Et un et deux... Non, c'est... Oui, d'accord, mais je c'est vous moi qui donne le tempo, oui, mais tu sais. Je vais compter, moi aussi. Alors, on compte ensemble. Oui, très bonne idée. Très bien. Un et deux et... Hakuna Matata.